Bonjour à tous, ici Nozman et bienvenue dans un nouvel épisode de Vrai ou Faux, un petit peu différent d'habitude, hein, je vous avais prévenu dans l'épisode précédent, celui-ci va porter sur les fusées, et voici vos commentaires. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Je suis donc chez Airbus Safran Launchers, donc la compagnie qui conçoit et fabrique Ariane 5 pour la fabrication et Ariane 6 pour la conception. Oui. Avec vous Bernadette, enchantée. Bonjour Nozman. Stéphane. Bonjour Nozman. Enchanté. Donc toi, quel est ton poste au sein de Airbus Safran Launchers ? Moi, je travaille dans l'équipe de développement du futur lanceur Ariane 6. Je suis responsable de la customisation du programme de vol d'Ariane 5 pour la production. Combien de temps pour fabriquer une fusée ? Aujourd'hui, à partir du moment où on construit le premier panneau en aluminium pour fabriquer les réservoirs, il nous faut 27 mois pour fabriquer un lanceur. Au niveau de l'assemblage, là on prend moins de temps, il faut environ une vingtaine de jours pour assembler les différents morceaux. Donc les morceaux qui sont fabriqués à Kourou, les morceaux fabriqués au Mureau en France, les morceaux fabriqués à Brême en Allemagne. Tous ces morceaux arrivent à Kourou, ils sont assemblés en 20 jours. Ensuite, le lanceur est fabriqué, il reste à positionner toute la partie, ce qu'on appelle la partie haute, qui contient les satellites et la coiffe. Et cette durée de mission est fait à peu près une dizaine de jours. L'objectif pour Ariane 6, c'est de faire la fabrication en deux fois moins de temps que ce qu'on fait actuellement sur Ariane 5. Donc la fabrication entre le moment où on commence à concevoir les éléments jusqu'au tir à peu près en moins de 18 mois et l'assemblage final à Kourou en deux semaines à peu près. Une fusée bien lancée peut atteindre Mach 20, vrai ou faux ? Le Mach n'est défini que dans l'atmosphère. La fusée va à une vitesse qui correspond à environ 10 km par seconde en fin de mission. 10 km par seconde ? À la fin, oui. Donc ça correspond à un équivalent de Mach 30. Mais si on mesure le Mach de la fusée dans sa période où elle traverse l'atmosphère, Ariane 5 va environ à Mach 10 ou Mach 12 en fonction de la mission sur laquelle elle doit fonctionner. Comment fonctionne une fusée classique, en gros ? En gros, c'est le principe de l'action-réaction. Donc une fusée éjecte des gaz. Donc ça c'est l'action, et en réaction la fusée est propulsée dans le sens opposé. C'est un peu comme le principe du ballon Brodhoff. On souffle et puis qu'on laisse. L'air s'échappe d'un côté et le ballon part de l'autre côté. Une fusée ça pollue, mais genre beaucoup. Nous avons la chance d'avoir le lanceur quand même le plus écologique Ariane, puisque même s'il y a deux gros propulseurs qui permettent à la fusée de partir, de s'échapper rapidement de l'atmosphère, qui pollue beaucoup, Ariane produit environ 190 tonnes d'eau grâce à son moteur Vulcain 2, le moteur principal, et son deuxième moteur, le HM7B, qui est le moteur de l'étage supérieur. Ariane fusée écolo. Un peu. Il existe des fusées qui peuvent revenir sur la Terre pour ensuite repartir là-haut. C'est pas exactement vrai. Pour l'instant, il n'y a que des parties de fusées qui reviennent sur Terre. Donc il y a notre concurrent SpaceX qui ramène le premier étage de sa fusée. Donc pour l'instant, on n'a pas de lanceur complet qui revient sur Terre et qui repart. La trajectoire est calculée de manière à ce qu'après la séparation, les étages retombent dans une zone dépourvue d'habitation. Tout à fait, ça c'est entièrement vrai. Donc on calcule les trajectoires pour s'assurer que les moteurs qui n'ont pas assez de vitesse pour être orbités retombent sur Terre, mais sur Terre, dans la mer. Okay. Donc principalement, les étages retombent dans l'Atlantique et de temps en temps, ils peuvent faire quasiment un tour de Terre et retomber en Pacifique. Quel poids pèsera Ariane 6 et quelle masse elle aura dans l'espace ? Ariane 6 sera en deux configurations. Une configuration moyenne qui va peser à peu près 500 tonnes et qui mettra un satellite de 4 tonnes et demi, 5 tonnes sur orbite. Et la version lourde, donc Ariane 64, qui pèsera au décollage à peu près 850 tonnes et qui pourra mettre deux satellites entre 5 et 6 tonnes 5 sur orbite. Bientôt, il y aura des fusées pour le tourisme spatial. Les fusées existent déjà. C'est nos concurrents ont fait déjà ça. Donc il y a Virgin, Blue Origin, qui ont deux fusées qui permettent d'aller à la limite de l'atmosphère et de pouvoir revenir. Donc, le tourisme spatial existe déjà, en théorie, puisque aujourd'hui, même si Virgin a déjà vendu, je crois, quelques billets pour aller dans l'espace ou en limite de l'espace, ils n'ont pas encore fait de véritable lancement. Une fusée a été construite grâce à une imprimante 3D. C'est pas totalement vrai. Avec les nouvelles technologies, on commence à avoir des éléments de lanceurs qui sont imprimés en 3D, mais pas la fusée complète. L'impression 3D nous permet de concevoir des éléments assez complexes qui ne sont pas possibles d'usiner ou d'assembler autrement. Est-ce qu'une fusée fonctionne au gasoil ? Une fusée, non, fonctionne pas au gasoil. Un carburant qui n'est pas très loin du gasoil, c'est le kérosène. Donc il y a des fusées qui fonctionnent, oxygène kérosène ou oxygène méthane. Mais nous, notre fusée, Ariane 5, elle fonctionne principalement avec des ergols qu'on appelle des ergols solides, qui sont comme deux gros pétards le long d'Ariane 5, et ensuite par de l'oxygène et de l'hydrogène pour le corps principal et l'étage supérieur.
Vrai ou faux, une fusée peut exploser en plein espace? Waouh. Eh oui, une fusée peut exploser dans l'espace, puisque une fusée embarque son carburant et son comburant pour fournir sa propulsion, et donc peut exploser dans l'espace. 80% du poids de la fusée est consacré à son carburant. C'est pas tout à fait vrai, on est plutôt à 85% que 80%. Le poids principal, c'est l'emport de carburant pour faire fonctionner la fusée. C'est pour ça qu'on essaye de minimiser le poids des structures, donc le poids des réservoirs, le poids des interétages, des différents moteurs. On essaie toujours de minimiser ce poids-là pour maximiser ensuite le poids de la charge utile, donc les satellites qui vont être mis sur orbite. Et une fusée en soi sans carburant, c'est lourd? Une fusée, je veux dire 100 tonnes à peu près, quand il n'y a pas d'air-vol dedans, et ça fait à peu près 800 tonnes quand c'est rempli de air-vol. Une fusée coûte plus cher que du caviar à poids égal? Ça dépend ce qu'on entend par la fusée. Ça serait plutôt... Le caviar coûterait quasiment aussi cher que la masse de charge utile, donc des satellites qu'on en met sur orbite. Mais pas que de la fusée. La fusée coûte quand même beaucoup, beaucoup moins cher que le prix du caviar. Ok. Les fusées françaises sont lancées de Guyane car l'attraction terrestre est moins forte qu'en France. Hashtag bravo. Non, c'est pas à cause de l'attraction terrestre. On utilise l'effet de fronde dû à la rotation de la Terre, et donc l'effet de fronde est beaucoup plus important sur l'équateur. D'autres sociétés se placent le plus près possible de l'équateur, et en particulier SeaLaunch qui utilisait une plateforme en mer qui l'a déplacée jusqu'à l'équateur pour bénéficier de cet effet de fronde qui nous permet de gagner de la puissance. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, un petit peu différent d'habitude, hein, je vous avais prévenu dans l'épisode précédent. En tout cas, voilà, vous pouvez, si vous avez apprécié, lâcher un énorme like sur la vidéo, vous abonner, et puis partager la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, car la science n'attend point.